écrivain en 2012. Alors attention, mesdames et messieurs, elle a été conduite par Kimi Raikkonen et Romain Grosjean. Et aujourd'hui, c'est Antoine Hubert qui est au volant. Alors, c'est un jeune pilote lyonnais de 22 ans qui a intégré en fait la Renault Sport Academy il n'y a pas très longtemps. Et en fait, déjà son palmarès, il a 2 podiums et 11 victoires. So guys, are you ready for action? Vous êtes prêts? En tout cas, on est ravis encore une fois de vous accueillir. Hey oh, avant, please guys, put your earplugs on and don't forget your chair because believe me, it's going to be very loud. N'oubliez pas, s'il vous plaît, c'est le moment de mettre vos oreilles, de protéger vos oreilles et ainsi que celles des enfants. Guys, are you ready? Yeah! And all the phones out! Okay, believe me, you're going to be blown away. Est-ce que vous êtes prêts? Accrochez-vous, on sort les smartphones parce que, mesdames et messieurs, c'est le moment. Venez accueillir, faites du bruit, make some noise pour Antoine Hubert et sa femme là, come on! Et ensuite,
ancien directeur du team McLaren. Eh ben les gars, bonjour, bienvenue, on est ravis de vous accueillir. Salut, bien. Vous savez quoi? Eh, vous savez quoi? Moi, j'aimerais demander à faire quelques questions, en fait, à Antoine. Je suis très curieuse d'avoir quelques questions, d'avoir quelques réponses avec Antoine. Bonjour, les filles, bienvenue. Hello, welcome. Welcome, Antoine. Comment ça va? You're okay? Everything goes right? Ouais, super, c'était génial. C'est super. Alors, you know what? How did meeting like that in Disneyland Paris inspire you and the Renault F team? En quoi ces rencontres ici aujourd'hui comme celle de Disneyland Paris et de votre écurie vous inspirent-ils? C'était super pour moi, c'est ma première fois dans une F1 et première fois évidemment à Disney, donc c'est génial. J'espère que ça vous a plu, les donuts à la fin. C'est les dérapages que j'ai fait à la fin quand je tournais autour de moi-même. Okay, that's what you slide around. That's it. That was very great. I love that. You know, actually, this year the Grand Prix of France will take place at Circuit du Castellet from the 21st to the 23rd of June. Actually, it is its second edition after 10 years of absence. So, what does it inspire you? Alors, cette année, le Grand Prix de France de Formule 1 aura lieu au Circuit du Castellet du 21 au 23 juin prochain. Alors, bien sûr, c'est sa deuxième édition depuis son retour après 10 ans d'absence. Mais en quoi cela vous inspire-t-il, Antoine? C'est super, déjà j'ai eu la chance l'an dernier d'y participer, il y a une super atmosphère vraiment autour de la France, il y a des pilotes français en Formule 1, il y a l'écurie Renault qui est française aussi, donc je vous invite à venir le plus nombreux possible pour nous soutenir et j'espère que ça sera encore plus sympa que l'an dernier. You're right, you was there last year and we hope all of us and you are going to be there too. J'espère que vous serez tous là-bas et bien sûr on espère aussi. Alors, vous avez quoi, une question un petit peu plus personnelle? I have a question a bit more personal. Do you have any physical training to drive an F1? How does it work? Est-ce que vous avez une préparation physique quand vous conduisez une F1 et surtout lors d'un grand prix? Ouais, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est facile, qu'on est assis et qu'on a juste à tourner un volant. Mais il y a beaucoup de préparation physique, donc à la salle de sport, et aussi du simulateur pour se préparer. Donc on travaille énormément avant d'être dans la voiture. Okay, so if I understand, you do physical training, and also you train on simulator, right? Actually, it's more again than a job, right? Non, c'est vraiment très, très réaliste et on travaille beaucoup dedans, donc on s'amuse sur la PlayStation, mais là c'est bien plus qu'une PlayStation. Job. Merci beaucoup, Antoine. Thank you very much. And you know what, people, vous savez quoi? On va faire une photo tous ensemble, with all the team. So guys, ladies and gentlemen, please take your cameras out. Sortez vos appareils photo, car c'est le moment d'immortaliser cet instant. Let's go. Venez s'il vous plaît, Antoine, tu fais pour accompagner l'équipe. J'espère que vous allez venir assister à notre spectacle, s'il vous plaît. Et on va pouvoir dire au revoir à cette magnifique Formule 1. Ladies and gentlemen, I'm calling all on you to say goodbye to this beautiful car and this very nice pilot. On compte sur vous pour faire du bruit encore une fois pour Antoine. Let's go, come on! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci encore une fois d'être venu. À très bientôt. Et cascadeur, bien sûr, on compte sur vous dans quelques instants. J'espère que vous allez donner le meilleur de vous. En tout cas, on est presque prêts, mesdames et messieurs, car l'action va commencer.